Ok, donc on va démarrer. Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour ce cours de renforcement musculaire. Aujourd'hui, je vous ai préparé une séance spéciale fessier. D'accord? On va vraiment travailler cette partie-là, vraiment intensifier la séance sur le grand fessier notamment. D'accord? Qu'on va vraiment cibler pour cette séance. Ok? Vous aurez besoin d'un tapis, d'accord? D'une bouteille d'eau, même d'une serviette pour être à l'aise si jamais vous transpirez. Ok? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, je pense à vous dire toutes les consignes pendant la séance, ok? Et sinon, voilà, on va démarrer, on va faire un petit échauffement pour commencer et on terminera par un retour au calme après la séance, ok? Une sorte de bien relâcher au niveau des muscles et récupérer. Ça marche? Donc, si vous voulez mettre de la musique, vous, de votre côté, n'hésitez pas. D'accord? Voilà, moi je reste sans le son pour que vous entendiez bien les consignes. Et sinon, voilà, on va pouvoir démarrer. Vous êtes prêts? Allez, hop, je mets en grand. C'est parti, go! Donc, je ne sais pas si on voit là. Hop. Oups, alors, juste petit réglage. Voilà. Donc, très bien. Donc ici, on va venir enrouler ses épaules vers l'arrière. Voilà, soufflez bien, tirez les épaules. On relâche. Voilà. Pas de tension dans les articulations. On relâche bien le haut du dos. Ok, vers l'avant, même chose. On enroule bien ses épaules. Soufflez. Voilà, dans un sens. Ok, puis relâchez. Mains sur les hanches. Faites des cercles avec votre bassin. Souffle bien. Encore une fois. Et changez de sens de rotation. Hop. De l'autre côté, on souffle. Voilà, on relâche bien au niveau des hanches. Sur le bassin. Encore un. Parfait. Ici, vous serrez les genoux entre eux, vous mettez vos mains dessus et vous faites des cercles. D'accord? Tournez dans un sens. À chaque fois, revenez tendre vos jambes. Soufflez. Hop. On tend. Encore. Voilà. Donc là, pour le moment, on échauffe bien au niveau des articulations pour ne pas se blesser durant notre séance. Ok? Allez, relaxez. Soufflez. Et on change de sens de rotation. De l'autre côté. Pareil. Hop. On tourne. Encore une fois. Ok, on remonte. Ici, on va venir lever le genou devant et écarter sur l'extérieur. On repose et on change de côté. Alternez gauche-droite ici. Là. Hop. Voilà. Encore. Soufflez bien à chaque fois que vous écartez votre genou. On mobilise les hanches pour le travail des fessiers, d'accord, qu'on va pas mal solliciter. Encore une fois. Ok, changez de côté. De l'extérieur vers l'intérieur. On ramène nos genoux devant. On lève le plus haut possible. Sans à-coups, d'accord. Travaillez bien. Une jambe après l'autre. Sans vous blesser. Souffle à chaque fois. Ok, dernier. Très bien, relâchez. Et ici, on va descendre en squat, d'accord? Mais demi-squat, d'accord? N'allez pas chercher juste en bas. Là, c'est vraiment pour activer nos muscles, fessiers, cuisses. Hop, je remonte. On souffle bien et on remonte. Encore. Activez les abdos en même temps. Rentrez le ventre quand vous allez chercher derrière. Gardez le dos bien droit. Encore deux. Là. Ok. Très bien. Relâchez. Ici. Placez votre cheville sur votre genou. Descendez vers l'avant. Souffle. Puis reviens. De l'autre côté sans perdre l'équilibre. Là. Et reviens. Voilà.
Donc là, pareil, toujours sur le travail de la hanche, on étire le fessier. On alterne gauche-droite, d'accord? Juste le temps de descendre et de revenir. Allez, encore une fois, de chaque côté, ici et là. Ok, très bien. Buvez un peu d'eau et on démarre notre séance, ok? Alors, chaque exercice, pardon, aura deux séries, ok? On alterne, on va pas mal travailler en travail unilatéral, d'accord? Sur une seule jambe et ensuite on va sur l'autre jambe. Ça marche? Allez, je vous montre le premier exercice. Ici, vous allez venir. Donc là, on va venir tendre la jambe derrière, descendre en fente, puis on remonte, on transfère le poids sur la jambe avant et on lève jambe tendue. Ok? Là, je descends et je souffle, je tends. Ça marche? On alterne comme ça, on en fait 10 d'un côté et ensuite 10 de l'autre côté. Donc vous êtes prêts? 3, 2, 1. Donc derrière pour commencer, je descends et je tends ma jambe vers le haut. Jambe tendue. Hop, je descends et je lève. D'accord? Attention de ne pas être fléchi. Restez jambes tendues. 3, 4, on souffle bien. 5, attention de ne pas envoyer vos épaules trop vers l'avant, sinon c'est plus le fessier qui bosse, c'est le dos. D'accord? Donc là, ici, contractez vos abdos. 7, 8, on en fait 10. 9, et 10. Ok, relâchez, détendez un peu vos jambes. On relâche et on passe de l'autre côté. Prêt? Allez, go. Derrière, je descends, je transfère le poids sur la jambe avant et je tends ma jambe. 2, souffle bien. 3, 4, 5, 6, encore. 7, allez, on tient bon. 8, 9 et 10. Ok, super. Relâchez. Vous devez sentir le travail ici, là, sur le fessier et l'arrière de la cuisse, d'accord? Plus vous allez lever la jambe, plus vous allez contracter votre fessier. Ça marche? Allez, petite pause. Et on enchaîne. Soufflez bien, relâchez. Tranquille, on marche. D'accord? Et on reprend donc deuxième série. Prêt? Allez, en position. 3, 2, 1, vers l'arrière. Et je transfère le poids. 2, souffle. 3, contracte les abdos. Hop, vers le haut. 4, 5, 6. Allez, encore. 7, 8. Vas-y doucement, d'accord? Pour prendre le temps et bien sentir les muscles qui se contractent. Et 10. Ok. Pause et on passe de l'autre côté. Prêt? Allez, go. Derrière. Là. Et on tend. 2. 3. 4. Encore. 5. 6. Soufflez bien. 7, 8, 9 et 10. Ok. Pause, pareil. Soufflez, marchez, buvez un peu d'eau. Ok? On passe au deuxième exercice. On reste debout pour cet exercice-là. Ensuite, on passera au sol. Ça marche? Ok, donc, petite pause. Et donc là, on repart, d'accord? Prochain exercice, là, vous allez pointer les orteils vers la grille, d'accord? Vous êtes sur deux lignes, vous allez envoyer les orteils vers l'arrière. Petit pas, d'accord? Juste ici, on fléchit la jambe et on prend appui sur ses orteils, là. Les bras tendus vers l'avant, le dos est bien droit et on contracte ses abdos. On descend vers le bas, donc poussez les fesses vers l'arrière, les épaules vers l'avant. Attention de ne pas enrouler son dos. D'accord? Gardez le dos bien droit, contractez vos abdos. Ça marche? Comme si on vous tirait vers l'avant. Donc là, je descends, je remonte, et là, je descends le bassin
vers le bas, ici. Hop, au milieu. Et je remonte. Devant, je pousse les fesses vers l'arrière, les épaules vers l'avant. Et là, c'est le bassin qui descend. Et je reviens. Ça va? Vous allez sentir aussi le travail sur la cuisse derrière. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Donc là, vers l'avant. Souffle. Et là, descend vers le bas. Ok, reste bien droit. Là, devant. Et en bas. Encore. 3. Pareil, on en fait 10 de chaque côté. 4. Ça chauffe. Vous le sentez? 5. Allez, souffle bien. 6. Encore. 7. Descends. 8. On arrive au bout. 9. Et 10. Ok, parfait. Remonte. Si tu sens ici que ça chauffe, c'est normal. Ok? Les cuisses travaillent également. Donc, on relâche et on passe de l'autre côté. Prêt? Donc, pareil. Ici, sur deux lignes, les orteils vers l'arrière, jambes fléchies. Tac. Prêt? Bras tendus, rentrez bien le ventre. On descend vers le bas et au milieu. Ici. Encore, sans perdre l'équilibre. Souffle, garde un point devant toi. Et remonte. Vous n'êtes pas obligé de descendre jusqu'en bas, hein, d'accord? On peut s'arrêter ici et remonter. Ok? 4. 5. Souffle bien, descend. Allez, courage. Plus vous allez chercher vers le bas, plus c'est le fessier qui va devoir se contracter pour pouvoir remonter. Allez, on a fait la moitié. 6. 7. 8. 9. Allez, on tient bon. C'est le dernier. 10. En bas et au milieu. Très bien. Relâchez doucement. Et pareil, marchez, soufflez. Ok. Il y en a un qui veut venir. Ok. Donc pareil, relâchez bien, soufflez. Il fait chaud, c'est normal. C'est pour ça, prenez une serviette et buvez toujours par petites gorgées. Ça marche? Allez, on repart. Première jambe. Donc pareil, sur deux lignes, tac, j'envoie les orteils en arrière. Prêt? Les bras bien tendus, les abdos contractés. Je descends en bas. Et ensuite, au milieu, avec les deux jambes. On souffle. En bas et au milieu, sans tomber. Encore ici et en bas. Hop, milieu, qu'est-ce qu'il y a toi? Et en bas. Continuez, c'est pas l'heure de jouer. Hop, continuez. Pardon pour l'interruption. Donc, on continue. Donc là, ici, et vers le bas. Souffle. Allez, on doit être à 7. Encore. 8. On souffle bien. 9. Contracte les abdos. Et 10. Ok. Très bien. Relâche. Une petite pause. Marche sur place. Et on change de côté. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. C'est parti. Donc, vers l'avant, vers le bas et au milieu, au centre. Souffle. Là et ici. 3. Contracte bien. Descends. 4. 5. 6. 7. Allez, encore. 8. On tient bon, on tient bon. 9. Courage. C'est les derniers là. Et 10. Hop, vers le bas. Ok, parfait. Pause, buvez un peu d'eau. Ça va ça?
D'accord. Alors, prochain, on passe au sol. Youp. Tac. Donc, ici, on va venir s'allonger sur le dos. Là, d'accord. Donc, posez délicatement votre dos au sol. Posez votre tête également. Les pieds à plat, largeur bassin. D'accord. Pareil, les genoux suivent la direction des pieds vers l'avant. Votre dos est droit, d'accord, cambrure naturelle. Le bassin est neutre. D'accord. Pareil, on ne bouge pas. Rentrez le ventre ici. Relâchez les bras sur les côtés. Détendez vos épaules vers le bas. OK. Ici, on va venir inspirer. Rentrez le nombril, d'accord, vers la colonne vertébrale. Et on va pousser pour monter le bassin vers le haut. Contractez vos fessiers. On redescend, on pose et on contracte, on lève. Ça marche? Pour celui-ci, on va faire 20 répétitions de haut en bas, 10 répétitions vers le haut. OK? Pause et deuxième série. OK? Allez, hop, on pose. On vérifie bien sa posture. Prêt? 3, 2, 1, on lève. Poussez sur les talons. 2, 3, 4, 5, soufflez bien, 6, 7, 8, 9, rentrez le ventre, 10, allez encore, on a fait la moitié, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, restez en haut tout petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, relâchez. OK, pause. Relâchez. Si vous voulez boire, n'hésitez pas. D'accord? Et on enchaîne. Pareil, même chose. OK? Hop, donc on relâche. Tendez les jambes, d'accord, pour relâcher aussi au niveau d'articulation du genou. Faites attention, d'accord, quand on monte, on y va progressivement. OK, vous êtes prêts? Allez, en position. Allez, rentrez le ventre, relâchez les bras, poussez dans les talons. C'est parti, on lève. 1, souffle, descend. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, tiens bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, reste en haut et petit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, relâche. OK, pause. Allez, on boit un peu d'eau. Youp. Ça va, ça. Vous devez vraiment sentir sur le grand fessier. Vraiment ce qui prend toute la fesse, d'accord? C'est vraiment celui qui est au centre et qui fait, enfin, qui est sollicité sur cet exercice-là. D'accord? On va continuer à le travailler, d'accord? On va rester dans la même posture. Cette fois-ci, on va décoller une jambe. OK? Pour plus d'intensité sur une seule jambe. Et donc, bien sûr, on fera les deux l'une après l'autre. D'accord? OK. Donc, ici, toujours, on s'allonge doucement. On vérifie bien sa posture avant de faire l'exercice. D'accord? Donc, les pieds, largeur bassin, vers l'avant, avec les genoux. Rentrez bien le ventre, poussez dans les talons, relâchez les bras. Là, vous allez venir coller genoux et talons entre eux. D'accord? Pour plus de stabilité quand on va décoller une jambe. Donc là, je décolle, je tends une jambe et je vais descendre le bassin et monter. Là, et je monte. OK? Vous êtes prêts? Allez, 3, 2, 1. On lève, on tend et c'est parti. 1, 2 pour 10. 3, 4, 5, 6, 7. Souffle à chaque fois. 8, 9, 10. Relâche. Relâche les deux jambes, hop, et on part de l'autre côté. Ici, on décolle, et 1, 2, 3, 4, vers le haut,
5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, pause. Voilà, tu dois le sentir ici, là, sur l'arrière de la cuisse. C'est normal. Comme on travaille sur un seul côté, il n'y a qu'une seule jambe qui travaille, donc les muscles se mobilisent au maximum pour tenir la position. Ok? Pensez aussi à contracter vos abdos. Pour ça, rentrez le nombril comme si vous voulez toucher la colonne vertébrale. Ça va vous aider à maintenir en fait le tronc et à éviter que ça bascule de gauche à droite. Ok? Allez, on repart. Deuxième série, bien sûr. Là, serre les genoux et les talons entre eux. Décolle le bassin, tend une jambe, c'est parti. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Relâche. L'autre côté, pareil, c'est parti. Un, souffle, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 9, 10 et relâche. Ok, très bien. Pause, remonte doucement, bois un peu d'eau et on passe sur les mains, sur les genoux. Ok, alors ici, hop, ça va, il fait chaud de votre côté. Allez, on a presque fini. Accrochez-vous pour la fin. Là, d'accord? Donc, on va venir pareil, contracter ses abdos. Les mains sont largeur des épaules. Les genoux, largeur du bassin. Le dos bien droit. Et pareil, on pense à bien rentrer le nombril. Là, ici, sur une jambe, je vais venir décoller l'autre jambe. Attention de ne pas cambrer au niveau du dos pour aller chercher plus haut. On garde le dos bien droit et on lève le genou. Et je reviens. Toujours la même jambe. J'en fais 10. Comme ça, et après 10 rebonds vers le haut. Je pose et je change de côté. Vous êtes prêts? Allez, 3, 2, 1. Contracte les abdos, souffle, monte vers le haut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reste en haut tout petit. 1, 2, contracte les abdos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, relâche. Ok, petite pause, souffle et on part de l'autre côté. Contracte les abdos, 1, souffle, tranquille, 2, tension à votre dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, reste en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et relâche. Allez, petite pause, on relâche. Soufflez bien et on passe à la deuxième série. Oh là là, il y en a un derrière, là, il est pénible. T'arrêtes-toi. Il a faim, forcément. Qu'est-ce qu'il y a? Sois gentil. Ok, on finit. Allez, prêt, en position sur la première jambe. 3, 2, 1, c'est parti. Là, je monte. Contractez vos abdos. 2, gardez le dos bien droit. Levez le genou au maximum sans creuser. 4, 5, 6, 7, 8. 9, attention, on reste en haut maintenant. 1, 2, 3, 4, tiens bon. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pause. Soufflez bien. Et de l'autre côté, c'est parti. Rentre le ventre. Encore. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Relâche.
Ok, souffle, pause. Ok, ça va? On a le temps d'en faire un dernier. Tenez bon, on arrive au bout. Ok? Hop, mets-toi là. Oh là là, il est vraiment pénible. Non, il va manger. Bon, j'y arriverai pas ce soir. Ah, l'été pénible. Je te mets à côté. Hop. Bon, je suis désolée pour cette interruption. C'est la dernière fois, on fait le dernier exercice. Ici, vous allez vous lever sur le côté. Donc là, vous allez travailler l'extérieur, petit moyen fessier. Donc vous allez voir. Pareil, on garde la jambe fléchie. Ici, on va venir décoller sur le côté. Là, on lève et on revient. Pareil, attention de bien garder le dos droit, de ne pas cambrer pour venir lever un peu plus haut. Même si on ne lève pas très haut, ce n'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est dès qu'on va avoir le genou levé, on va travailler, cibler sur cette partie-là. Vous êtes prêts? 10 et 10. C'est parti. Une, reviens. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, allez, tiens, et 10. Ok, même chose de l'autre côté. C'est parti, décolle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, relâche, pause, soufflez bien. On part sur la dernière. Vous le sentez là sur le côté? Ouais, ça brûle un peu? C'est cool. On va tout de suite enchaîner sur la deuxième série alors, pour intensifier l'effort. 3, 2, 1, on lève. Ici. Et on revient. Garde la tête dans le prolongement du corps, les abdos engagés. 3, 4, on essaie de lever au maximum sans donner d'à-coups. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, repose. Prends une inspiration et décolle de l'autre côté. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, relâche. Viens t'asseoir sur les talons, écarte les genoux, descends le buste vers l'avant, relâche la tête et les épaules. Ok, déroule ton dos. On va s'étirer au sol, d'accord, pour vraiment bien étirer le fessier, d'accord? Donc, pareil, commencez par boire un peu d'eau, soufflez, récupérez votre respiration et je vous montre. Alors ici, hop, on va venir s'allonger sur le dos. Pareil, descendez doucement. Là, vous allez venir poser la cheville sur le genou, d'accord? Donc, cheville droite sur le genou gauche. On attrape doucement son genou et on tire vers soi, soufflez bien, étirez, d'accord? Prenez une longue inspiration et soufflez profondément. Vous avez bien travaillé. Ok, relâchez, posez et changez de côté. Là, hop, on tire vers soi, on souffle bien. Très bien, relâchez, massez le bas du dos en faisant des cercles dans un sens, puis dans l'autre. Ok, remontez doucement. Ici, tendez une jambe. La gauche, par exemple, la jambe droite, vous la passez par-dessus. Vous attrapez votre genou droit avec votre coude gauche et vous tirez vers vous. Relâche bien, on souffle, on redresse le buste et on va chercher vers l'arrière, à l'extérieur du genou.
Ok, puis relâche. On change de côté. Là, je tire vers moi. Je tire avec le coude et je redresse le dos. Souffle bien. Ok, va chercher derrière. Ok, et puis on relâche ici. On colle les pieds entre eux, on écarte les genoux et on attrape ses orteils d'abord et on fait des petits battements avec les genoux. Soufflez bien. Prenez une inspiration. Et soufflez. Encore une fois. Ok, parfait. Revenez ici. Et voici pour cette séance. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez bien travaillé vos fessiers, que vous aurez bien eu chaud comme moi. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle séance et un nouveau groupe musculaire. Ok?